Oui, c'est Vadim, et ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur sur le cuirassé, tout simplement. Alors, désolé pour la pause, mais j'avais beaucoup de boulot. Là, je suis d'ailleurs en période d'examen en ce moment. Alors, c'est jusqu'au. Attendez que je vais regarder. C'est jusqu'au 28. 28, je serai plus en examen. Donc, ça peut être sympa, quand même, comme information. Voilà. Et donc, j'ai dit, je ne vais pas faire les 4 salles machines, machin. Je vais les faire, du coup. Mais enfin, je vais les faire. Je vais faire une bataille, c'est tout. Après, on est parti sur la bombe cryogène qui vient de sortir sur le cuirassé. Il n'y a jamais eu ça, donc ça c'est trop bien. C'est trop cool. Voilà. Et on va la tester au niveau max, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc ici, on va à peu près tout balancer, je dirais. Donc, je fais toujours la même composition. Ah, c'est un peu fort. Hein. C'est un petit peu fort. Ouais, c'est un peu fort. Hop, ici on va essayer de balancer les gros bras à l'arrière. Pourquoi? Pour qu'ils tapent, par exemple, je ne sais pas, sur là-dessus, sur lance-roquette. Ouais, c'est ça. Ici on va déglinguer ceci, voilà, comme ça explose. Parce que sinon nos troupes sont prises dedans et ça fait des dégâts qui sont assez sympas à ne pas prendre. Alors il a mis pas mal de super mines aussi. Si on peut le désactiver, ce serait pas mal. C'est une priorité quand même. Hein. C'est quand même une priorité. Où est-ce qu'il en a encore? Ici, il a des mines. Allez, on peut faire ça aussi ici. J'ai vu qu'il y avait quelques. Ouh là là, on s'est pris très 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 cher. C'est très compliqué de prendre les 4 salles. En tout cas, voilà, les gros bras ont pris déjà une première chose. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va garder le tir de barrage, on va le garder. Je ne vois pas l'utilité. Ouh là là, là, il faut soigner, faut soigner, faut soigner. Alors là, ce qui est cool, c'est que les mines ne font pas un maximum de dégâts. Donc c'est assez sympa. Alors où est-ce qu'il va le gros bras? Il tape le super canon. Pourquoi pas? Ouh là là, là j'ai vu Bulit. Bulit, il est en PLS. Il faut le soigner. Voilà, il va très bien maintenant. Et on a déjà quasiment tout détruit. C'est incroyable. Donc on était en PLS, on ne l'est plus. Donc heureusement que les gros bras que j'ai mis à l'arrière arrivent maintenant en renfort. Ça va être vraiment utile pour protéger les Zookas ainsi que nos cryobombardiers. Qui font le travail, qui font vraiment le travail. Alors les gros bras vont peut-être crever, donc on va peut-être un petit peu soigner vite fait. Même si je n'ai pas l'impression que ça aide vraiment vraiment. Donc là le super canon, on s'en fiche, il a qu'à taper notre bullet, c'est pas grave. Ok, donc là, hop, par contre, dong, et hop, bullet, on le soigne. Ah là, il tue, ok, mes Zookas, c'est pas cool. Mais il est mort. Et c'est fini. Donc les 4 salles ont été prises, j'étais pas serein, mais finalement c'était assez rapide. On va voir ce que fait l'adversaire. Donc ouais, lui, ça va être plus compliqué. Donc ici, alors il y a une hésitation que j'ai faite. C'est pourquoi ne pas mettre un autre super canon à la place du lance-flamme par exemple. C'est vrai que c'est peut-être pas débile parce que ils ont une portée de ouf. Et si vous mettez en fait, j'ai vu quelqu'un, ça marche de ouf, vraiment. Vous mettez tous vos super canons à l'arrière. Moi, comme vous voyez, il y en a deux ici, enfin même trois en fait. Ils sont assez proches, mais vous mettez tous vos super canons à l'arrière. C'est vraiment assez compliqué d'attaquer un truc comme ça. Pourquoi? Parce que ce que vous utilisez normalement, c'est des cryobombardiers, des gros bras et fatalement, ainsi que bullets. Et si vous mettez tout au super canon à l'arrière, ils ont déjà subi des dégâts face à tout ce qui était à l'avant. Et un gros tir concentré de tous les super canons sur chacune de leurs unités, il n'y aura plus rien. Surtout qu'à la fin, normalement, vous avez très peu de troupes, genre vous avez beaucoup de cryobombardiers. Et vu que les super canons ont la portée et que vous n'avez vraiment plus d'énergie de canonnière, etc., ça dégomme tout. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce qui peut être utile, voilà, comme ça vous le savez, peut-être pour les prochaines salles de machines. Donc nous on a récupéré ceci et on va maintenant passer aux 5 salles. Voilà, aux 5 salles de machines, c'est incroyable. Alors je me demande comment est-ce qu'on va réussir à passer, sachant que. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai débloqué, j'ai pas réussi à tout débloquer au niveau des 5 salles. Mais donc j'ai choisi de prendre le rapporteur entre les 3 choix. J'ai pas réussi à prendre l'hélicoptère, mais en soi, de toute façon, il n'aurait servi à pas grand chose. Les grenadiers paraient, on s'en fiche. Le plus important, c'est que j'ai réussi à prendre la crayonnière et l'améliorer au max. J'ai quasiment amélioré au max artillerie. Malheureusement, je n'ai pas pris le dégât des troupes et j'ai que 10% d'énergie de canonnière en plus sur les 50%. C'est un peu dommage. Et il n'y a pas les électromines non plus, ce qui aurait été bien. Voilà, donc il y a quand même trois trucs que je n'ai pas, quoi. Donc ça, ainsi que ceci et ceci, du coup. Voilà.
Donc c'est tout pour ces choses. Et on est parti. Donc les troupes vont pas vraiment changer, je pense. On va voir. Ok, ouais, vous voyez, c'est méga compliqué parce qu'ils mettent tous le. Bon, là, il a tout paqué, donc il est débile. Mais. Ah, il a mis la protection là-dessus. Pourquoi pas. Ici, il l'a entouré, et moi, c'est une priorité pour dégager. Ok. Alors, normalement, si je la mets, ça va détruire. Enfin, bref, vous allez voir. Voilà, incroyable. Hein. Voilà, donc ça, c'est assez utile. Donc, il a tout paqué, il est débile. Donc, voilà, donc nous, on a au moins testé directement notre bombe. Donc, c'est cool. C'est un truc qui nous a permis de faire ça. Alors ici on va balancer ça pour désactiver les super mines parce que ça va faire très mal, c'est sûr à 100%. Ça veut bien. Ok, donc ça ne l'a pas détruit. Hop, hop. Donc je l'ai mis un sur chaque. Ah ouais, ça se fait pas assez, hein. Bon, on en remet un du coup. On a également des bestioles. Du coup ici par exemple il y a une mine. T'as pas envie que l'un des gars se la prenne. Hop, tu la blastes dessus. En plus c'est une bonne distraction. Ouh là là. Ouais, c'était sûr qu'elles allaient mourir. Mais au moins elles ont été soignées, enfin certaines. Hop, ici on balance. Ok, ici on va balancer un soin parce que les Nozuka ont très mal. Alors je vois qu'il a pas amélioré au max, c'est. Comment dire? C'est en roquette, donc on va peut-être balancer nos bestioles pour terminer en tout cas. Voilà, hop, manger, c'est bien. Ici, je sais pas si ça va marcher. J'ai prévu que ça défonce une super mine en tout cas. Ou les gros bras qui sont débiles. Bon, là c'est moi qui ai un peu raté le truc, mais ça va dans l'ensemble. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être vraiment bien pire. Au moins ça tient. Ça tient. On a pris du coup 3 salles de machines. Enfin, on en a pris une pour le moment, mais on va en prendre une deuxième, hop, et une troisième, hop. Donc ça va pas être dégueulasse. Si c'est possible. Voilà. Oui, 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 ça on se prend très cher ici. Ouh là là, ça va faire très mal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on peut pas faire grand-chose en fait. On peut faire ceci, on peut faire ça également. On peut essayer d'immobiliser quoi. Voilà, et là on défonce avec Bullet. On utilise en fait notre petite amie, la bombe cryogène. Excusez-moi. Hop. C'est parfait, hein. C'est parfait, ça se passe plutôt bien. On peut rebalancer un petit zap. Hop là. Ça c'est magnifique, hein. Et après on peut encore rebalancer une petite bombe, ça peut être sympa. Pour tout refroidir encore une fois. Hop. Et refroidissement. Piou. Incroyable. Alors, j'ai également touché Bullet. Mais c'est pas un problème, hein. Ouh là là, mais c'est vraiment refroidissant à mort. Regardez comment il avance. C'est horrible. Hop. Et voilà, on a tout détruit. 5 sur 5. Et lui, il a eu 4 sur 5. Donc, on est mieux que lui. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ok. Donc, cette composition marche encore, même si c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors, faut pas oublier. J'ai mis une salle de machine ici, donc comme vouloir pour faire perdre du temps à l'adversaire. Mais il y a un petit grapporteur. Donc les petites troupes qui vont venir pour essayer de gratter la salle de machine ici, le grapporteur va s'occuper de les manger. Donc je pourrais même faire ceci pour encore plus manger les troupes pour être sûr à 100% que s'il a mis des gros bras ou quoi, on les mange tout simplement. Voilà. Et également une autre chose. C'est les petits amis qui sont les bombardiers qui vont arriver ici, qui veulent choper le grapporteur. Bah, le grapporteur, il va les manger, et ainsi que le super canon qui est à côté. Donc ça, c'est une petite technique, voilà. Faut pas oublier que j'ai également, pour le grapporteur, j'ai mis un canon et un super canon, parce que les troupes qu'il va tirer, faut les détruire. C'est important. Sinon, c'est un peu débile de mettre un grapporteur sans rien. Ça veut dire que tu suicides le grapporteur. C'est pas très très malin. Ok, donc ce qu'on va essayer, on va débarquer de ce côté-ci. Alors, j'y avais rien, il n'y avait rien, ça va. Ça, il faut regarder avant. Là, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Il nous a rien coûté, donc c'est bon. Paf. Ah, la mine n'est pas morte. C'est triste, mais c'est pas grave. Grapporteur en priorité. Grapporteur en priorité. Est-ce qu'il a un autre truc? Il a pris ça. Ouais, ça fait mal, mais sans plus. Mais ça fait mal, en effet. Ok, encore deux. C'est normalement, il devrait mourir. Non? Alors, encore un. Et là, il est mort. Ok, ici il a mis pas mal de super mines, donc en faisant ça, on les désactive. Et en plus, on ralentit tout ça, donc ça peut être sympa. Hop, voilà, on met quelques bestioles pour juste une petite distraction. Hein. C'est juste une distraction. Et le zap sur
Le lance électro-bombe. En fait, c'est une électro-bombe. Pourquoi est-ce que j'appelle ça tout le temps zap? Clash Royale, l'influence de Clash Royale. Ok, ici, une électro-bombe. Peut-être sympa. Alors, bon, ici, on va faire ça pour désamorcer les mines, sinon ça va coûter un peu cher. Voilà, en plus, ça l'a fait tranquille. Un peu dommage que j'ai pas assez de bestioles. Ça, c'est dommage. Ok, aucun des cris bombardiers n'est distrait. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment génial. Parce qu'ils sont assez facilement distraits, je trouve. Ici, ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que le Simo, il va faire très très mal. Paf. Il est immobilisé. Ok. Ici, on va mettre un petit soin. Parce que sinon, ça peut faire très mal. Les lance-roquettes. Voilà, et il balance justement. Bah, ça n'a pas aidé. Le soin a un peu aidé, hein, mais pas assez. Oulala, 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 calmez-vous, calmez-vous les cris bombardiers. Ils ont choisi une autre cible. C'est que ça. C'est encore des cris bombardiers. Mais ils sont débiles, c'est pas possible. Eux, ils rushent, ils ont pas de vie. Ils ont pas de vie, ils push. Tu push pas si t'as pas de vie. Et lui, il a tout paqué, punaise. Il a tout paqué, toutes les seules machines, il les a toutes paquées. Donc là, il va falloir, je pense, économiser. Je vois pas d'autre solution. On va essayer d'atteindre le petit 16. Parce que sinon, il y a vraiment. On peut rien faire. Sinon, on peut rien faire du tout. Il faut vraiment attendre 16. Je peux les soigner, mais ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Voilà, là, normalement, c'est 16. Dis-moi que c'est 16. Oh, parfait. Parfait, parfait. Je l'ai activé. Je l'ai activé. Allez, hop. Et il reprend la vie. Et il tape. C'est génial. Et quand on va détruire en plus le lance électro-bombe, ça va être parfait. Ça va vraiment être parfait. Le super canon n'est pas, il s'en fiche pour le moment. C'est pas mauvais. Ici, on va soigner. Par contre, on va soigner parce que il s'approche dangereusement du lance-roquette. Donc, on va soigner. Comme ça, ils peuvent peut-être l'un d'entre eux s'il survit, ce serait sympa, quoi. Ok, ici, ça va foncer. Hop. Voilà, je le savais. Alors, malheureusement, c'est pas top, hein. Ah, ça c'est cool, il a tapé. Oh, nickel. On s'en fiche à la limite du super canon. J'ai balancé, hein. Ouais, j'ai balancé. Hop, bullet fonce. Voilà. 5 sur 5, les gars. 5 sur 5, deux fois. Ouais, c'est vraiment cool. Je pensais que ça allait être impossible, mais c'est dur. Et ça, ça fait plaisir. Ça, c'est un niveau difficile qui est cool. Pour le moment, parce que peut-être qu'après, ça va devenir un niveau impossible. Oh là là, on est passé même 17, c'est incroyable. Que des victoires, mais c'est magnifique. Enfin, il y a une petite défaite, mais c'est magnifique quand même, c'est magnifique. Donc on va s'arrêter là, mais c'était trop bien. Malheureusement, j'ai encore pas assez de jetons pour débloquer la suite. Mais au moins, je peux améliorer ceci. Hein. Pouf, voilà, un petit 20%, c'est bien. Ça, je vois pas l'utilité pour le moment, même si ce serait cool d'améliorer pour désactiver les mines, etc. Mais je n'en vois pas l'utilité pour l'instant. Donc j'ai à mon avis priorisé ceci et cela. Voilà. Allez, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Peut-être que dans 3 jours, justement, il y aura la vidéo des 5 salles, la suite, ou les 6 salles, peut-être, on ne sait pas. Allez, ciao. J'espère que j'aurai assez de temps.